Bonjour, messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre des choses très intéressantes sur le cours d'art dramatique avec Philou Dengo, votre professeur de théâtre. Mais comment faut-il apprendre la comédie quand on ne sait pas jouer la comédie? Voilà une question très intéressante. Alors, quand on ne sait pas jouer la comédie, on ne fait pas semblant de savoir jouer. C'est un peu comme un voleur qui ferait semblant de savoir voler des billes. S'il ne sait pas voler, eh bien, c'est pas la peine de faire semblant. Il me semble que c'est logique. Alors donc, si vous voulez jouer la comédie, ce n'est pas la peine de vous mettre devant une caméra et de parler et de gesticoter et de dire n'importe quoi, ce sera toujours n'importe quoi. On ne transforme pas des vaches en moutons et des moutons en bœuf. C'est logique. Jusqu'à présent, je dis des choses tout à fait normales. Maintenant, si on veut apprendre vraiment à jouer la comédie, comment faut-il faire? Puisqu'on ne peut pas s'entraîner comme on jouerait d'un instrument de musique. Comment faut-il faire? Alors, ce que je vous conseille tout de même de faire, c'est d'apprendre une phrase par cœur, au moins une phrase, un mot, un mot. Un petit mot. Tenez, par exemple, le mot le plus courant usité dans la langue française. Bonjour. Pour entrer, vous dites bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour les cacahuètes, bonjour les farinettes, bonjour Coco, bonjour Tapette, bonjour Jojo, bonjour Filou, bonjour les fadas, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour la population, bonjour la caméra, bonjour. Voyez, c'est déjà pas mal, c'est un entraînement qui demande beaucoup d'entraînement, des heures et des heures de travail. Mais pour vous expliquer, bonjour, ce n'est pas si simple que ça, parce que bonjour, ça peut devenir aussi bonjour, les croque-mitaines, bonjour, les farandoles, bonjour, les rossignols. Ça peut devenir beaucoup de bonjour. En fait, les bonjours, il y en a des millions et des millions, des centaines de milliards de bonjour. On dira toujours bonjour, mais bonjour, ça veut dire beaucoup de choses, n'importe quoi et tout à la fois. Alors, comment faire pour apprendre à jouer la comédie en me disant bonjour? Alors, tout ça, c'est du métier. Il faut être très fort pour dire bonjour. Alors, si vous comprenez bien quelque chose, moi je n'ai encore rien compris, mais ça ne fait rien. On va continuer le cours d'art dramatique avec Philou Dengo, votre professeur de théâtre. Alors, pour dire bonjour, vous vous entraînez devant une classe et vous dites bonjour. Bon, alors il faut pas aller trop loin dans l'excès non plus, mais vous pouvez y aller quand vous êtes tout seul à la maison. Vous pouvez dire bonjour à tout le monde, personne ne vous entendra. C'est ça qui est bien d'ailleurs.
Alors, maintenant, vous voulez apprendre à dire bonjour devant le grand public, devant le monde distingué de tous les internautes, de tous les gens haut de la classe supérieure. Alors, il faut prendre l'air du... L'air de quoi ? Alors, si vous êtes devant des gens très intéressants, des gens à qui vous levez le chapeau, des gens qu'il faut honorer, des gens qu'il faut estimer, alors à ce moment-là, vous employez votre mot très intéressant de bonjour. Bonjour très, 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 très gentil. Le bonjour très, très gentil. Pour pas effrayer ces gens-là qui vous dominent et qui vous écrasent du soir au matin. Quand vous allez travailler, vous dites simplement un bonjour qui n'agresse personne. C'est-à-dire un bonjour, un bonjour, un bonjour, un bonjour, un bonjour. Non, pas comme ça, pas comme ça. Non, 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 pas bonjour comme ça. Vous dites bonjour, 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 bonjour. Oui, si vous dites comme ça, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Il ne faut jamais dire comme ça, bonjour. Bonjour, il faut dire gentiment, gentiment, avec une voix gentille, gentille. Gentil, 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 bonjour, gentil, bonjour, gentil, bonjour. Ah, ah, ah. Non, 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 pas comme ça, pas comme ça. Il faut dire bonjour d'une façon très normale, normale, normale. Alors, vous vous entraînez. Alors, au plus vous dites bonjour, vous voyez, au plus vous arrivez à bien dire bonjour. Bonjour, vous allez arriver, vous allez réussir à dire bonjour. Mais si vous arrivez à dire bonjour, moi je vous donne une médaille, hein. Bon, alors, reprenons le cours d'art dramatique. C'était le cours 320 d'art dramatique. Comment dire bonjour au public qui vous accueille dans une salle de télévision, n'importe où dans le monde. Vous rentrez et vous dites gentiment « Bonjour !» C'est un peu trop fort quand même, hein. Mais il faut le dire gentiment. Il faut pas agresser les gens, hein, quand même. Il faut parler... Je sais pas, vous regardez la télévision, peut-être qu'on vous dit souvent « Bonjour !»« Bonjour les cacahuètes !»« Bonjour les mésodettes !»« Bonjour les mistinguettes !»« Bonjour, 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 bonjour !» Aïe, 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 vous risquez de devenir fou, mais je vous le dis, vous allez devenir fou. Vous voyez le théâtre, c'est très très compliqué quand même. Vous ne pouvez pas vous permettre comme ça de parler devant tous les gens en disant bonjour à n'importe qui sans savoir à qui vous avez affaire. Hein. C'est très très dangereux. Bon, alors calmons-nous, reprenons le cours du début. Vous devez dire bonjour, bonjour à tout le monde. Et tout le monde est déjà parti, vous n'avez pas encore dit bonjour. Il faut dire bonjour, bonjour. Dites-le bonjour, bonjour, bonjour. Non, pas à vous, à moi, à vous, à nous, à tout le monde. Vous dites bonjour les amis. Ça va bien aujourd'hui? Mort de rire, mort de rire. Alors, vous voyez, le théâtre, 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 mes amours, théâtre merveilleux, théâtre fantastique.
pour s'exprimer au théâtre, il ne s'agit pas simplement de parler. C'est pas parce que vous allez... que vous jouez la comédie. Bon. Alors, vous avez compris que quand on parle, on dégage quoi ? Une émotion, une impression, un état psychologique interne de l'acteur. Et c'est cet état intérieur qui est intéressant. Je me marre. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui me marre. Hein, hein. Oh, arrêtez, hein, hein. Alors, la comédie, mes amours, mon amour. La comédie, mes amours. Mes amours. On peut tout exprimer devant une caméra. Tout. Là, c'est une démonstration, hein? Démonstration. Donc, vous comprenez que si on peut tout faire, tout exprimer, on va vite devenir pour ne pas se perdre sur l'océan immense de la comédie et du spectacle et des mots et de... Un simple bonjour peut vous rendre dingue. Alors vous imaginez un texte entier, mais c'est monstrueux, un texte, une phrase, c'est grandiose, mais un texte, c'est le sublime, c'est l'abîme, c'est la vie entière. Alors, pour arriver à construire ce bonjour, donc on était sur ce bonjour, pour arriver à se construire ce bonjour, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut s'imaginer, c'est-à-dire il faut comprendre l'objectif de votre personnage. Avec quel objectif vous dites ce bonjour ? Le bonjour, la psychologie, donc l'objectif prioritaire de l'acteur, tout ça, etc., etc. Si vous arrivez dans une boulangerie où on dit le plus souvent « bonjour », bon, si vous êtes pressé, hein, et que vous avez quelqu'un, vous avez un rendez-vous rapide, vous allez arriver, vous allez dire « bonjour, vite !» C'est pas pareil que « bonjour, j'ai tout mon temps !» Vous voyez ? Donc ce simple « bonjour » a affaire à toute une histoire, à l'histoire du personnage que vous incarnez. Pour ne pas dérailler dans le n'importe quoi. Et le personnage que vous incarnez va traduire le « bonjour » que vous êtes en train de dire. Sinon, on peut dire n'importe quoi, on peut le dire n'importe comment, le bonjour. S'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de mise en scène, s'il n'y a pas
d'intérêt dans ce bonjour. C'était la démonstration que je viens de vous faire. C'était du n'importe quoi. N'importe quoi. On peut dire n'importe quoi aussi à la télévision. Tous les gens qui parlent ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. Aïe, 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 aïe. Je souffre, je souffre. Aïe. Non, 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 non. Pour vous dire que c'est un métier, c'est du travail, c'est une connaissance, c'est tout ce qu'on veut. Parce que ensuite, quand on va gérer le bonjour, on va essayer de mettre de la joie dans ce bonjour. Pour rendre les gens heureux. Parce que finalement, c'est ce qu'on veut. On veut tous être heureux sur Terre. Donc, on va arriver, on va dire bonjour! Avec la voix la plus ravissante du monde, n'est-ce pas? C'est ainsi que je vous dis bonjour, les amis! Au revoir!